Je m'appelle Dominique Simoncini, je suis préparateur mental. Alors, le préparateur mental, son travail, c'est donner accès à la performance mentale pour tout type d'individu. Moi, je me suis spécialisé principalement auprès des athlètes de haut niveau, à qui j'apporte les outils pour rendre la démarche sportive et la conduite de projets sportifs plus confortables et leur permettre un accès à la performance physique via donc la commande mentale. Donc, j'utilise divers outils que sont la relaxation, l'imagerie mentale, le training autogène, la définition d'objectifs. Et ensuite, on travaille sur des séances qui sont définies en fonction de leur spécifique. Je me suis beaucoup engagé auprès des athlètes de l'équipe de France de biathlon, avec qui je travaille donc à titre individuel. Et j'adore cette discipline parce qu'elle allie donc toute la phase de tir, qui est une phase extrêmement sollicitante pour le mental, puisqu'on doit être extrêmement calme, extrêmement posé, concentré. Et puis derrière, une phase donc d'activité physique extrêmement importante. Donc les deux mises bout à bout, ça rend la discipline extrêmement complexe à traiter, donc pleine d'incertitudes. Et donc je travaille avec eux sur ces sujets. J'ai travaillé aussi avec de nombreux footballeurs professionnels et des athlètes de très haut niveau qui sont les vainqueurs de l'Ultra Trail par exemple. Pour exercer ce métier, il faut avoir d'abord envie d'apporter un service aux autres, il faut une réelle volonté d'empathie, être capable de se mettre à la place de l'autre, être capable de visualiser ce qu'il vous explique. Il faut beaucoup de curiosité, beaucoup de sens critique, et puis je dirais un fond de psychologie, ce qui est complètement normal. Je ne peux pas scinder ce métier de réelles compétences dans la discipline. C'est pour ça que quand je travaille avec un nouvel athlète, j'essaye de m'intéresser à sa discipline et d'en comprendre les codes. Sinon, des choses vont m'échapper. Le préparateur mental est un outil au service du coach. Et donc, il s'insère dans la structure sportive, par exemple, la structure d'une équipe sportive, comme va s'insérer le préparateur physique, le préparateur technique. Donc, on fait maintenant appel à des préparateurs mentaux qui vont, eux, s'occuper vraiment que de la performance mentale, le confort intellectuel, le confort mental de l'athlète pour qu'il soit toujours optimal.